fallait changer les formes de relations entre les pays d'Europe et d'abord entre la France et l'Allemagne. Comme prélude à une organisation européenne, il fallait commencer. Wenn es uns gelingt, dann ist dies das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet. Si nous ne bâtirons que des administrations communes, sans qu'il y ait une volonté politique supérieure, vivifiée par un organisme central, nous risquons que cette activité européenne paraisse sans chaleur, sans vie idéale. Le problème de l'unification politique de l'Europe est posé. Il ne pourra plus être éludé. C'est ça l'effort européen. Ce que je vous demande, c'est de participer à une révolution d'une telle ampleur qu'elle permet sans doute de considérer toute autre révolution comme inutile. Es war sein 78. Geburtstag, also 54. Es war mein vierter dort in Paris-Schaumburg. Das war einer der wichtigsten Tage im Jahr, dieser Geburtstag. Ne? Da waren wir dann ungefähr um 9 Uhr da. Und dann hat die Familie gratuliert im ersten Stock im Arbeitszimmer mit Gedichten und kleinen Blümchen und so weiter. Und dann ging es runter in das Parterre. Und da kam dann eben der Bundespräsident und die Minister und die Diplomaten und viele andere Leute vom Staat, die Kirchen und so weiter. Man kann das alles hier im Album genau sehen, also wie sie alle kommen, gratulieren. Ja, mein Großvater war ein richtiger Familienpatriarch. Er war ein strenger Mann, aber auch voller Humor. Und er war stolz auf seine große Familie, hatte ja 7 Kinder und 24 Enkel und 6 Schwiegerkinder. Aber der Kontakt war nicht so nah, wie das sonst in Familien üblich ist. Also man konnte ihn nicht umarmen und küssen. Also man gab die Hand und sagte, guten Tag, Großvater. Und man sprach nur mit ihm, wenn man von ihm auch gefragt wurde. Er hatte eine natürliche Autorität und seine Autorität war größer als die des eigenen Vaters. Also er war so eine Art Übervater für uns. J'ai connu Robert Schuman très tôt, quand j'étais encore étudiant à la faculté de pharmacie de Nancy. Bon, ça a été un événement très important dans ma vie. Et puis j'étais très frappé par sa simplicité, par sa modestie, par son humilité, par cette absence d'entre-gens spectaculaires et visibles. Il n'y avait rien de tout ça. Tous les samedis, je venais déjeuner avec lui, quand il était libre naturellement. Alors, le menu était toujours le même, c'était l'omelette, les pommes de terre rôties, la salade, le fromage et les fruits et des tartes de Mirabelle en saison. Seulement en saison. Alors ça faisait partie du rituel, ça. Puis après, nous montions dans son bureau, et puis il me posait des questions. C'est très curieux, parce qu'il s'intéressait à mon travail. Il était très à l'écoute des jeunes. Très à l'écoute des jeunes. C'est un homme qui n'avait pas de besoin, qui n'avait pas de désir dans le sens possessif du terme, qui n'était pas un hyperconsommateur. Il se serait trouvé très mal à l'aise dans la société hypermatérialiste dans laquelle nous sommes obligés de vivre maintenant. Quand il rentrait ici de Paris, il prenait le train et il arrivait à la gare de Metz, et à la gare de Metz, il prenait le bus pour venir ici. Et alors, ça faisait grand souci au préfet, surtout quand il était président du conseil, naturellement, parce qu'on ne pouvait pas le surveiller. Alors, le préfet dépêchait des voitures derrière le bus pour l'accompagner, mais il prenait les transports en commun. On dirait aujourd'hui de lui qu'il avait une sensibilité écologique. Si
c'était une grande famille bourgeoise, les Spaak. Mon grand-père était un poète et il a été directeur du théâtre de la Monnaie. Sa mère a été la première femme sénatrice. Donc elle a été sénatrice au moment où les femmes n'avaient pas encore le droit de vote, ce qui est tout à fait extraordinaire. On s'amusait beaucoup avec lui, beaucoup. Les déjeuners de famille et les vacances étaient vraiment des fêtes. Mon père avait un grand charme, il avait un côté féminin. Il pleurait très vite aussi. Et il jouait de son charme d'une manière scandaleuse. Et surtout, il était un bon orateur qui croyait foncièrement à ce qu'il disait. J'étais à Paris au grand discours de la peur. Il monte à la tribune, il s'adressait aux Russes et il fait un discours sensationnel qui était exactement le discours qu'il fallait faire à l'opinion publique. Savez-vous quelle est la base de notre politique ? C'est la peur. La peur de vous. Essayons de prendre un nouveau départ. Prenons ce nouveau départ ensemble. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, mais il est temps. C'était d'une émotion absolument incroyable. Quelle chance d'avoir assisté à ça. Quelle chance. On m'a souvent posé la question, le secret de Jean Monnet. Je réponds d'ailleurs que Monnet était un homme du discret plus que du secret. Mais s'il avait un secret, c'est qu'il faisait confiance. C'était vraiment sa qualité principale. Il m'a dit, voyez-vous, à Cognac, il avait commencé sa vie professionnelle en vendant du cognac au Canada et aux États-Unis. Quand un négociant en cognac va chez un cultivateur pour acheter un fût, il sent d'abord, il goûte. Si ça sent bon et si c'est bon, l'acheteur fait confiance, il achète. Monnet était un homme qui réfléchissait beaucoup, il avait beaucoup d'idées. Il était très attaché à ce que les documents soient mis dans une forme simple, dans un langage simple. Il m'a dit un jour, voyez-vous, quand j'ai à faire un discours au Parlement, je le montre à mon chauffeur et à ma femme. Si tous les deux ont compris ce que je veux dire, je suis sûr que les parlementaires comprendront. Se devo ricordare com'era quando ero piccola bambina, ricordo che era un uomo molto serio e che cercava però di farci conoscere la vita attraverso la storia, leggendoci per esempio quando avevamo appena 6 anni, l'inferno di Dante. Mia madre mi ricordo che diceva, ma Alcide, le bambine, e lui diceva, perché? Quello che è naturale bisogna conoscerlo. Egli aveva fatto della sua vita un principio di onestà. Quando ha conosciuto mia madre, nelle prime lettere, tra le altre cose gli scriveva, io non ti posso offrire una vita ricca, una vita importante, perché ho deciso di essere onesto. E l'onestà difficilmente è uno sgabello per diventare ricchi. Mio padre è nato in un paese del Trentino. I trentini potevano andare a Vienna o in città austriache a studiare. A Vienna i primi anni ebbe una vita estremamente difficile. A volte, non avendo la possibilità neppure di comprarsi una cena da mangiare, compravano le mele e assieme a altri due ragazzi andavano in camera, si sdraiavano sul letto o su una poltrona, uno di loro suonava il violino e gli altri mangiavano le mele. Die Familie war sehr arm und musste mit dem Geld sehr rechnen. Und die Mutter hat sich verdient durch Handarbeit. Und mein Großvater Konrad hat so dabei geholfen, also Säume zu ziehen.
Il était un homme des trois frontières. Il a été à la fois un natif de Luxembourg, un étudiant en Allemagne, un avocat en France. Il avait une double culture. Donc au début de la guerre, le jeune Monnet a eu l'idée, déjà, d'unir les forces navales de protection des convois britanniques ou français venant des États-Unis vers le continent européen. Donc Monnet, dès son jeune âge, était soucieux d'unir les forces des États en face de l'adversité. Quand il a eu 16 ans, il est parti pour rejoindre l'armée belge qui était sur les bords de l'Isère. Et ils ont été, comme beaucoup d'autres jeunes, arrêtés par les Allemands et emprisonnés. Il n'a jamais souffert de cet emprisonnement-là, mais en fait, ça lui a quand même donné le sens de l'importance de la liberté. Nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 wurde mein Großvater verhaftet, weil er ein Verdächtiger war. Er wurde gebracht in das KZ Buchenwald. Und der Lagerkapo war ein kommunistischer Kölner und hat ihm geholfen, freizukommen. Und die Gestapo hat das sofort gemerkt, meine Großmutter hier in Rhöndorf verhört. Und dann wurden beide verhaftet und beide getrennt am selben Tag, am Tag ihrer Silberhochzeit, in Brauweiler ins Gefängnis eingeliefert, in verschiedene Häuser. Meine Großmutter hat einen Selbstmordversuch begonnen mit Tabletten und mit Pulsadern aufschneiden. Und daran ist sie später auch mal gestorben, drei Jahre später. I primi tempi venne ricercato dal fascismo perché volevano che assieme al resto dei popolari, il Partito Popolare, accettasse il fascismo. Mio padre naturalmente non lo accettò. E quindi venne condannato a carcere, a 4 anni di carcere. Anche mia madre andò in prigione per una decina di giorni e questa era forse l'unica cosa che non gli ha mai perdonato mio padre. Pendant la guerra, il a d'abord été incarcéré, il s'est débiné. Alors là, il y a un mystère pour moi. Il paraît qu'il s'est échappé de la prison en descendant le long du chenal. Il est descendu comme ça. Je ne sais pas comment il a fait, parce qu'il n'était pas très, très sportif. Il est arrivé à Londres sous le bombardement. Et son collègue, M. Pirlo, qui était le Premier ministre, lui a mis la main sur sa main et lui a dit « Vous pensez à quoi maintenant ?» Et il a répondu « Je pense que nous sommes dans un pays de liberté. » Donc les bombes, ça n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'était la liberté. Et on se bat et on meurt pour ça. En Angleterre, il disait lui-même, on n'avait pas grand-chose à faire. Ils étaient ministres, mais il n'y avait pas de parlement. Et avec ses collègues néerlandais et luxembourgeois, ils se sont mis à trois en disant, nous devons penser à la construction de ce que ce sera l'Europe. Sembrava che avesse una nuova giovinezza. Faceva delle giornate intere passando da un paese all'altro, da un discorso all'altro, di continuo. Sapeva bene che era l'unico modo per far capire che bisognava avere un governo democratico. Monnet était un homme soucieux de la paix. Il a dit à peu près ceci: les Allemands seront battus. N'ajoutons pas l'humiliation à la défaite. Essayons de construire une union entre les peuples de l'Europe et d'accueillir l'Allemagne après la guerre. Wo der 70 Jahre hat im Januar zu 46 und da hat er beschlossen,
wieder in die Politik zurückzugehen. Und er hat gleich schon 1945 gesagt, Deutschland muss zum Frieden zurückerzogen werden, ein friedliches Volk werden, und es muss sich nach Westen orientieren, zu den Ländern der Demokratie, der Freiheit. Et Schuman, après la guerre, a eu cette idée, cet instinct de faire la paix. Mais pour faire la paix, il fallait se réconcilier. Il a introduit Adenauer au Conseil de l'Europe, donc avant le 9 mai 50, ce qui était prendre un risque politique considérable, parce que l'Allemagne, c'était l'ennemi héréditaire. Pensare all'Europa subito dopo aver perduto una guerra ed essere dalla parte negativa era molto difficile. Però l'incontro con persone come Schuman e Adenauer, pur essendo Adenauer un tedesco e dalla parte forse di chi aveva perduto, fu un grande aiuto per mio padre e fu un grande respiro europeo. Die Gasperi, Schuman und Adenauer passten sehr gut zusammen vom Alter her. Sie lebten also in Grenzgebieten und sie hatten dieselbe Religion, sie waren katholisch und sie sprachen alle Deutsch. Comment ces deux hommes ont-ils pu avoir un tel cheminement commun? Encore une fois, c'est la confiance. Schuman a fait confiance en Monnet, Monnet a fait confiance en Schuman. Et ça a marché. Alors, il s'estimait beaucoup. Je pense que le secret, c'était la complicité. C'est que Monnet avait de bonnes idées, mais il ne savait pas quoi en faire. Et il s'est trouvé que Schuman a pu incarner ses bonnes idées. Et je me rappelle un jour, le téléphone sonne, nous étions à table en famille, avec mon père, ma mère, mon frère et ma sœur. Le téléphone sonne, je prends et j'entends au bout une voix et qui me dit « c'est Jean Monnet ». Et je me tourne vers papa et je me dis « Papa, c'est Jean Monnet ». Alors il parle avec Jean Monnet longuement et puis il raccroche et il a un air préoccupé. Et il nous dit « C'est extraordinaire, Jean Monnet a des idées merveilleuses, mais c'est nous qui devons les faire passer devant nos parlements qui discutaillent, qui discutent, qui ne sont pas d'accord. » Et Jean Monnet est d'une impatience extraordinaire. Il avait de très bons rapports avec Monnet. La seule chose qu'il reprochait à Monnet, c'était qu'il n'était pas gourmand. Et quand ils mangeaient ensemble, Monnet commandait toujours une seule à la vapeur. Et lui voulait une entrée, un plat et un dessert. Alors c'était le reproche de Monnet. Il y a pire, il y a pire. À la fin de l'avril 1950, Schuman était conscient qu'il allait devoir prendre une position au nom de la France à une réunion qui devait se tenir à Londres, à la demande des États-Unis, pour lever les contrôles sur l'Allemagne. C'est à ce moment-là que Monnet a fait dire à Schuman « Je vais vous faire une proposition, et si vous l'acceptez, c'est peut-être une voie pour essayer de régler les grandes affaires du monde. » Le 29 avril 50, il est rentré ici, il s'est claquemuré, m'a-t-il dit, pendant deux jours pour travailler là, et il est revenu à Paris, il était convaincu qu'il fallait faire ça. Il savait que le président du conseil de l'époque, qui était Georges Bidault, serait très hostile. Alors, c'est très astucieux, il a demandé rendez-vous à Georges Bidault pour lui parler du plan. Mais il a pris rendez-vous un jour où Jean Bidault n'était pas là. Donc il n'a pas pu lui en parler. Et il a contacté Adenauer, bien sûr, il a contacté Gasperi et les autres. Als mein Großvater ungefähr ein Dreivierteljahr im Amt war, wurde informiert, dass also Schuman also eine Pressekonferenz geben wolle. Und dann hat er gesagt, dass er eben eine Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorschlagen wolle. Und hat mein Großvater gesagt, dass er das ganz fantastisch fände. Aber er sei jetzt kein Wirtschaftsmann, aber er würde es als einen guten Anfang betrachten. Und vor allen Dingen sei ihm der
der politische Aspekt viel wichtiger als der wirtschaftliche Aspekt, der politische, dass es eben zu einem Zusammenschluss von europäischen Staaten käme eben. Et puis, il y a eu le Conseil des ministres. Et puis quand tout est fini, il est midi, alors les ministres ferment leurs serviettes et s'apprêtent à partir déjeuner, et Bidault demande est-ce qu'il y a des questions diverses. Alors Schuman lève timidement le doigt et il dit, oui, il expose, mais très très vite, l'idée du plan. Alors Bidault a dit, mais vous m'avez pas parlé de ça. Ah, il a dit, si, mais je voulais vous en parler, mais il n'est pas là. Et à ce moment-là, il y a un huissier qui frappe à la porte et qui apporte à Georges Bidault un message personnel d'Adenauer qui lui dit, l'Allemagne soutient à fond ce plan. C'est comme ça qu'on est arrivé, grâce à la conjonction historique de Schuman et de Monnet, à ce qui fut la déclaration du 9 mai, et ensuite l'adhésion d'autres gouvernements. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. J'étais au salon de l'horloge le 9 mai 50 et à la sortie, j'étais à côté de Schuman lorsque quelqu'un lui a dit « Mais alors, monsieur Schuman, c'est un saut dans l'inconnu ?»« Vous avez raison », a-t-il dit, « c'est un saut dans l'inconnu. » Bien sûr. Nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons Européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français. Et du charbon et de l'acier européen circulant entre nos pays librement, comme dans un même pays de 155 millions de consommateurs. La communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est Jean Monnet et Robert Schuman. Le traité de Rome, c'est le comité Spaak. Il était impatient et quand, ici, au château de Val-Duchesse, les négociations s'enlisaient depuis des semaines. Et c'était la manière dont on devait traiter le problème de l'importation des bananes. Et un jour, il a dit, écoutez, maintenant, je vous donne 2 heures. 2 heures. Si vous n'avez pas réussi dans les 2 heures qui viennent, je fais une grande conférence de presse et j'explique au monde entier que l'Europe ne s'est pas faite à cause de bananes. Il est sorti, il a claqué la porte qui a failli s'écrouler dans un bruit épouvantable. Il y a eu 2 minutes de silence épouvanté aussi. Et il est revenu 2 heures après, c'était fait. Vous vous rendez compte? Je ne dirai jamais assez combien ils ont vécu ici une sorte de miracle politique. Monnet était soucieux d'institutionnaliser la paix durable entre les États européens. Il pensait qu'il fallait aller bien au-delà du charbon et de l'acier, il fallait aller bien au-delà d'un marché commun, qu'il fallait construire une unité politique. Il fallait que d'autres nations européennes viennent s'associer, construire ensemble quelque chose comme, entre guillemets, les États-Unis d'Europe. Quand on lit son discours à Rome après la signature du traité de Rome, ça s'adresse principalement aux jeunes. Et il dit pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, les hommes politiques n'auront pas failli. Ils auront fait ce qu'il fallait, construire quelque chose qui n'existe pas dans l'histoire du monde. C'est un homme qui a donné sa vie à la cause qu'il défendait. Il voyait très loin. Oh, il a dit, vous savez, un jour,
il faudra accueillir les pays de l'Est dans l'Union européenne. Bon, personne n'aurait dit ça. Ça faisait à l'idée de personne. Tout le monde pensait que le monde était divisé en Est et en Ouest jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Als mein Großvater im April 1951 zum ersten Mal als Bundeskanzler nach Paris kam, kam eine junge französische Studentin zu ihm und die brachte ihm das Kriegsverdienstkreuz ihres Vaters aus dem Ersten Weltkrieg. Mein Großvater hat so dann einen Brief geschrieben, eine Studentin hat also geschrieben, dass ihn das tief gerührt hat, diese Geste, und dass er dieses Kreuz betrachten würde eben als einen Beginn der Aussöhnung und der Verbindung der Jugend der beiden Völker. Io ricordo di Adenauer l'ultima volta che si sono incontrati. Mio padre era quel giorno a Castel Gandolfo in una casa che aveva lì e io accompagnai al cancello Adenauer e sul cancello questi due uomini si dissero: vedi ancora qualche anno, due o tre anni, a Europa unita noi potremo morire in pace. Quand Adenauer a reçu de Gaulle à Bonn avant le traité de l'Elysée, Adenauer a écrit une lettre à Schuman. Il lui a dit, cher président et ami, quand j'étais avec Gaulle in der vergangenen Woche, habe ich oft ihrer gedacht als des Mannes, den Grundstein legte zu der Freundschaft, die nun mit unseren beiden Ländern so eng miteinander verbindet. Er würde sich freuen über den Fortschritt in Europa, also was Schengen angeht, also was die Reisefreiheit angeht, auch die Zollfreiheit, der freie Verkehr von Waren, Meinungen und Menschen. Er würde ihn sehr freuen, denke ich mir. Auch der Euro würde er sicherlich für sehr wichtig halten. Was er sich wahrscheinlich nicht vorgestellt hätte, wäre, dass Europa so schnell auf 27, 28 Staaten gewachsen ist. Das ist an sich das Ideal, was sicherlich er auch angestrebt hat, nämlich nicht Europa nur auswahlweise zu vereinigen, sondern eben das ganze Europa bis an die Grenzen Europas eben. Il aurait certainement été soucieux d'un élargissement accompagné d'un renforcement institutionnel. Pour lui, les deux devaient marcher ensemble. Pas d'élargissement géographique pur, un élargissement géopolitique. Je ne pense pas qu'il serait hostile à l'euro. Maintenant, il serait sûrement perplexe devant le souci qu'a l'Europe de décider comment sont les fromages et enfin tout cet aspect purement technocratique. Quand on me dit « votre père aurait été très déçu de voir l'Europe aujourd'hui », je tempère très fort. Parce que c'était plus facile de se mettre d'accord à six avec ces blessures qu'on devait cautériser qu'à 28, dans une époque plus ou moins pacifique, avec des dizaines de gens autour d'une table, qu'on doit convaincre du bien commun dépassant le bien de chacune des nations. C'est très difficile. Penso che loro avrebbero desiderato vedere una unità politica assieme a unità economica. E anche se oggi noi non siamo veramente un'Europa politica unita, non siamo quello che avevano pensato questi personaggi, guardando la storia indietro dobbiamo dire che abbiamo fatto tanta strada, no? Ed è questo il grande risultato, direi, di questi primi uomini europei, essere riusciti a infondere che l'unica idea giusta e buona per noi europei è la pace, la nostra pace e la pace anche verso il mondo degli altri.
posso dire che avendolo visto lavorare per il futuro d'Europa sia veramente un europeo venuto dal futuro. Moi, je pense aussi maintenant avec le recul, l'ayant connu dans son intimité et l'ayant vu dans son action politique, que c'était effectivement un saint homme. C'était un homme tout à fait extraordinaire. On s'amusait beaucoup avec lui. Ich denke, man sollte den jungen Menschen von heute sagen, dass das alles, was wir heute haben, nicht von alleine gekommen ist, dass es also erkämpft werden musste und dass es auf bitteren Erfahrungen beruht und dass man es nicht als selbstverständlich hinnehmen soll. Also Europa und der Gedanke Europa muss immer neu erarbeitet werden und auch verlebendigt werden. Ne? Donc, ich garde un bon souvenir de cette époque. J'ai toujours eu l'impression d'être associé à une grande œuvre.